Alors voilà, vous demandez comment maigrir des fesses. Alors je vais vous répondre très très honnêtement. Premièrement, pour maigrir des fesses, il faut maigrir tout court. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'amaigrissement, pour maigrir des fesses, on ne maigrit pas des fesses en faisant une prière ou en faisant des exercices physiques. La deuxième chose, c'est qu'on a deux stratégies, si on maigrit, pour améliorer la morphologie des fesses. Première stratégie, ça s'appelle les squats. Tous les gens qui font de la musculation sont capables de vous l'apprendre. C'est quoi? Ce sont des accroupissements. En général, on demande de faire des accroupissements par série de 10 et de faire 5 séries tous les jours ou tous les deux jours. Ça renforce le muscle et ça donne un joli galbe à la fesse. Mais ça ne joue pas sur la graisse. La deuxième solution, c'est d'avoir affaire à la chirurgie. Mais ne faites pas de la chirurgie en pensant que c'est vraiment que ça dégraisse. La chirurgie, ça ne marche que s'il y a vraiment une zone bien définie à enlever. Sinon, pour maigrir des fesses, ben non, désolé, mais c'est pas la peine de croire au miracle. Vous êtes obligé de vous mettre au régime. Vous êtes obligé d'avoir des exercices physiques pour galber le muscle de la fesse. Et après, de temps en temps, avoir recours à la chirurgie en vous disant que si le chirurgien récuse l'intervention, il vaudra mieux l'écouter. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, n'hésitez pas, hein, ici en dessous. Salut!